séparé de l'Ille-et-Vilaine à l'est par le Frémur, et séparé du Finistère à l'ouest par le Douron. Les Côtes d'Armor possèdent 360 km de sentiers côtiers magnifiques. Quatre fleuves ne sont franchissables qu'après un long trajet à l'intérieur des terres. Le Gouessant se traverse au pont Roland, après un parcours sinueux de 2 km dans une vallée encaissée, où a été construite une des premières usines hydroélectriques du département. Au pont suspendu de Lézardrieux, on franchit le Trieux. Il serpente plus de 5 km, balisé par la tour des Perdrix, par les feux Coatmer, Amont et Aval, et le phare de Baudic, avant de rejoindre le large au feu de la Croix. Le Jeudi est traversé au pont Canada de Tréguier, patrie d'Ernest Renan. Le dernier pont qui permet de franchir le Léguer est à Lagnon. Le Léguer serpente ensuite pendant plus de 6 km avant d'atteindre son estuaire, balisé par le phare de Bec-Léguer. Des grands phares d'atterrage des Côtes d'Armor, le phare du Cap Fréhel est le seul phare à terre. Deux éclablants toutes les 10 secondes. Au milieu de la baie de Saint-Brieuc, c'est le phare du Grand Légion, blanc et rouge à 5 éclats toutes les 20 secondes. Puis le phare des Hauts-de-Bréhat, au-dessus du sillon du Talbert. Puis vient le phare de l'île aux Moines, dans l'archipel des Sept-Îles. Et enfin, le plus à l'ouest, le phare des Triagos, le phare des Roches-Douves, le plus au large, n'est pas visible depuis la côte. Dans la baie de la Frenaie, le moulin à marée de la Roche-Noire est un des derniers moulins à marée construits en Bretagne. Il a cessé ses activités en 1920. Et 300 mètres en amont, on trouve les ruines d'un ancien moulin de la mer. À Lézardrieux, il reste une digue et une ruine de moulin à marée au fond de la baie de Pommelin. Le moulin à marée de Bugueles est devenu une résidence secondaire. À Ploumana, le moulin rouge, Miline Ruse, pourrait dater de 1476. C'était un moulin à céréales. À Trégastel, le moulin bleu, Miline Glace, doit son nom à son toit en ardoise. Il daterait de 1764 et a produit de la farine jusqu'en 1932. Il ne faut pas marcher longtemps sur un sentier en Bretagne pour trouver une chapelle. Fière sur son îlot et accessible uniquement à marée basse, voici la chapelle Saint-Michel, édifiée en 1880-81 sur les fondations d'une ancienne chapelle du XIIIe siècle. La chapelle Saint-Maurice,
1869, sur la commune de Morieux, domine l'embouchure du Gouessant. Elle offre un superbe panorama sur le fond de la baie de Saint-Brieuc. Tapis au fond d'un vallon, à proximité de la mer, la chapelle Saint-Marc, à Trèveneuc, a été construite par des marins en remerciement pour leur salut. Datant du XIVe siècle, elle a été remaniée plusieurs fois. Un vieux cyprès de Lambert lui tient compagnie. La chapelle de Perrosamond, construite à la fin du XIIe siècle, a été agrandie et remaniée vers 1770 pour acquérir l'aspect qu'elle présente aujourd'hui. Le porche latéral abrite les derniers mémoires, traces poignantes de l'époque de la pêche à Islande. Face à la mer, presque au bord de l'eau, la chapelle de la Trinité, située au nord de Port-Séven, est un édifice de style néo-gothique construit en granit. La chapelle de Kerbouster, dédiée à Saint Modèse, est aujourd'hui communale. Elle a été réédifiée vers 1740 sur un ancien oratoire du XIIe siècle. La charmante chapelle Bonne Nouvelle en Lézardrieux, qui date du XVIe siècle, nous rappelle que la plus simple d'entre elles est entourée d'un enclos souvent ombragé. Dominant les champs bordant la rive droite de l'estuaire du Jaudy, la chapelle Saint-Vautrôme en Trédarzec a été construite au XVIe siècle. Son aspect actuel est le résultat d'une mise en valeur de 1997. À Bugueles, la chapelle Saint-Nicolas, bâtie sur un tertre, date probablement du XVIIe siècle. Construite au XIVe siècle, la chapelle Guirec surplombe la plage et l'oratoire de Guirec qui abrite la statue en granit de Saint Guirec. Les jeunes filles désirant se marier dans l'année devaient planter une aiguille dans le nez du moine quand la statue était en bois. À Pleumeur-Boudou, la chapelle Saint-Samson a été construite en deux temps, entre 1575 et 1631. Elle est considérée comme l'une des plus belles chapelles du Trégor, mais elle n'est pas en bord de mer. À proximité du Douron, cette curieuse petite chapelle est placée sous la dédicace de Sainte-Barbe, la sainte patronne des gardes-côtes. Son clocheton porte la date de 1609. Les carrières de grès rose ont été exploitées à Erquy jusqu'en 1974 pour la construction balnéaire et l'habitat plus modeste. À l'île Grande, les carrières occupaient 14 hectares sur le bord de mer au début du XXe siècle. La dernière carrière a fermé en 1970. Le phare des Hautes-Bréas a été construit en granit extrait de l'île Grande et les pavés de Paris proviennent aussi de l'île Grande. Tout au long du chemin, on rencontre de nombreuses marques de balisage maritime. Feu de port à Erquy, à Daouet, au Légué. Puis en Goëlo, à Binic, à Saint-Quay-Portrieux, un des rares feux métalliques français, à l'île Herbourg, sur les îles Saint-Quay.
La baie de Paimpol est éclairée par le phare de Lospic à l'ouest et celui de Porzdon au nord. D'autres marques se découvrent le long du chemin. À Port-la-Chaîne, entre le sillon de Talbert et l'estuaire du Jody. Puis voilà le discret feu blanc de Port-Blanc et le séduisant petit phare de Nantouar au fond de la baie de Perros-Guirec. Au milieu de la côte de Granitros, le célèbre phare de Menruz à Ploumanac. Créé en 1791, le sentier des douaniers permettait de sillonner la côte pour empêcher la contrebande. Il est tombé en désuétude au début du XXe siècle. En 1967, employé à Jeunesse et Sport et président régional des auberges de jeunesse, Émile Aurin devient le référent dans l'aménagement du sentier côtier en Bretagne. En 1968, quelques passionnés du Comité national des sentiers de grande randonnée posent les premières balises blanc-rouge des GR sur le littoral breton. Émile Aurin a, pendant un demi-siècle, créé, entretenu les sentiers de randonnée et apporté sa collaboration à la rédaction de plusieurs topoguides. Cet amoureux des chemins, baliseur et défricheur, est le père fondateur des chemins de randonnée en Bretagne, notamment du GR34. Aujourd'hui, le GR34 longe sur 2000 km l'ensemble des côtes bretonnes, du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire. Un grand merci à toutes les équipes qui entretiennent ce magnifique sentier.